Et salut à tous. Coucou. Donc, bienvenue dans cette 10e partie de The Last of Us. Comme vous avez vu, le studio a encore changé de place. Je pense que cette fois-ci, il va rester un peu plus longtemps comme ça, au moins jusqu'à début septembre. Un grand merci à tous de continuer à nous suivre. J'espère que la petite vidéo de présentation que j'ai mise sur YouTube vous aura bien plu. Je suis un peu désolé pour la qualité graphique, parce que j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage vidéo, hein, parce que c'est Windows Movie Maker, hein, c'est vraiment un truc de base. Et quand il a enregistré, il avait envie de me laisser des bouts pas enregistrés, c'est-à-dire tout noir, et des fois il me les a enregistrés, des fois non, des fois oui, des fois non. Donc il a fallu que je fasse un enregistrement sur un re-enregistrement. Donc quand on enregistre, forcément ça baisse la qualité vidéo. Donc un enregistrement sur un re-enregistrement, donc ça rebaisse la qualité vidéo. Ce qui explique à la fin, quand vous avez le moment sur Devil May Cry 3, vous avez la musique qui saute un petit coup dès le début et qui fait juste un petit blanc à la fin avant de passer sur DMC le reboot. Donc voilà, c'est ce petit montage là qui fait que la qualité graphique, surtout sur la Resident Evil, pas terrible, mais bon, l'effet y est, donc je pense que ça contrebalance pas mal. Donc sinon aussi, je voulais m'excuser un peu, parce que, enfin, ça c'est pour moi par principe, parce que je vous disais que je pleurais un peu sur notre sort, alors qu'on s'en sort très bien, je pense, sur notre petite chaîne, parce qu'on n'avait pas les 63 000 vues, etc. Bon, franchement, en fait, je m'en fous les 63 000 vues, hein. L'essentiel c'est que j'ai de bons viewers comme vous. Ça me va très bien, même si du jour au lendemain j'ai plus d'abonnés, plus de nouveaux abonnés, alors ça ne m'arrangera pas. En fait, j'ai sans cesse de faire plaisir de faire des vidéos. Donc voilà, c'est vrai que ça fait toujours un peu plus envie. C'est comme quand on n'a pas d'argent, là, par exemple en ce moment, ça fait toujours plus envie de voir des gens riches. Là, c'est un peu pareil, voilà. J'avais envie d'avoir un peu plus d'abonnés, mais franchement, voilà, vu la qualité que vous êtes, je n'ai pas besoin de plus. Abonnez-vous quand même, hein, mais voilà, c'est. Pas besoin d'être des milliards pour que j'apprécie vos commentaires. Donc sur ce, sinon nous en étions qu'on s'était débarrassé des premiers chasseurs, hein, donc des premiers humains armés. Là je sens qu'on va rigoler. Donc je pense qu'on va récupérer le jeu peu de temps avant là où je l'avais quitté. J'imagine que la sauvegarde n'a pas dû se faire au moment où je l'ai quitté. Et voilà, on va voir ce que ça réserve avec le fumigène, etc. Je sens qu'on va bien rigoler. Alors hop, nous y voici et on continue. Donc solitude et oubli. Et donc voilà, sinon j'espère que vous l'aurez compris, mais tous ces petits points là, hein, c'est des sports, hein. C'est pas des petites étoiles. Hein. Tu l'avais déjà dit? Ah oui, bon. Je le redis pour ceux qui ont raté le moment où je l'avais déjà dit. Parce que même moi, je l'ai raté, donc. Alors, donc, comme je vous disais, c'est bien ça. On a le droit de tout récupérer avant. Que j'ai fini de sauvegarder. Ça, on a bien compris. Ça, on l'avait déjà lu. Et après, il n'y avait plus rien d'autre à récupérer. Voilà, donc on va lui reparler histoire d'eux. Je pense que ça aurait été nous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Je savais que je devais tourner la damn. Un jour, tu vas y arriver. Et moi, j'ai bien aimé le décalage qu'il a fait accroupi pour aller ouvrir la porte. Enfin, ouvrir l'autre porte. Alors. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai pas un peu des pilules là? 30. Rien d'écoute. Voilà, impec. Stabilité de l'arme. Ah oui. D'accord, donc en fait il y a moyen de pouvoir se débarrasser des. Avec la carte quand il nous chope. How did you know? About the ambush. I've been on both sides. Oh. Ah ouais.
innocent people. I'll take that as a yes. Take it however you want. Ah ouais, il a pas les mêmes propres, hein, le Joël. Hein. En même temps, pour qu'il soit autant survivant, c'est que... Il a dû en voir. Donc apparemment toujours personne. This is where the assholes sleep. I mean, slept. Ah, ça c'est intéressant, ça tient. Bientôt, on va pouvoir devenir infirmier grâce à The Last of Us. Ok, deux portes qui s'offrent à moi. J'ai choisi la bonne. On devrait encore avoir une embuscade. Parce que logique. Enfin, je sais pas, ouais, bof. Il semble pas avoir fait autant de détours avec la voiture pour se retrouver là-bas. Donc, ici. Here we go. Pas assez de. Putain, bah, il m'en manque pas beaucoup en plus, hein. Faire le deuxième étui. Oh, il en faut 4. Bon, de toute façon, moi d'abord je veux mon étui. Parce que c'est vachement trop efficace. I think these guys were infected. Well, it don't matter. Let's just keep moving. All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. How about you let me go first and keep your voice down? Okay. Moi, pour l'instant là, j'ai peur qu'il y ait du monde. Et lui, encore un truc qui va me rendre fou. Ellie,
Like I found another one of them comics you've been reading. Bah, elle est où? Ah ouais. Heureusement qu'il t'a dit d'attendre, hein? Alors, est-ce que je peux pas confectionner un peu des armes là? Problème de mêlée, je m'en fous. Ça, malheureusement, je peux pas. Ça, je peux. Je peux aussi. Impeccable. Encore mieux. Non, mais ça va, calme-toi. Ça va, calme-toi. Qu'est-ce qu'il se passe quand la nourriture commence à manquer? Eh ben les gens commencent à se battre comme des charognes. Ce qui est d'ailleurs une tactique militaire aussi. Je crois que ça, bon, ça a déjà été fait en réel, hein. Mais donc dans un jeu que j'adore, hein, que d'ailleurs même le joueur du grenier adore, et c'est pour lui le meilleur RPG, et pour moi aussi. Donc Suikoden. Il y a un moment où... Ellie, get down. Eh ouais, mais ça me bien qu'il y ait du monde. À un moment, donc, justement, il y a les méchants qui font prisonnier, donc, toute une ville alliée. Et finalement, il libère tous ces prisonniers-là vers une autre ville, donc ils sont en train de faire le siège. Et jusqu'au moment, justement, pour que... La nourriture vient à manquer plus rapidement. Et donc du coup, les gens se montent les uns contre les autres en se disant, en même temps, s'ils n'étaient pas venus, on manquerait pas de nourriture, etc. Et donc au final, ça finit en guerre interne. Et donc ils ont même pas eu à se salir les mains pour gagner la guerre, en fait. Donc comme quoi, quand la nourriture manque, ça peut vite dégénérer. Là, le problème, c'est que là, ils sont tous les deux. Même tous les trois. Là, pour en tuer un discretos, ça va être chaud. Là. Tant que je suis avec le flingue, ça ira. Screw this. I ain't waiting any longer. Let's go see what those assholes are up to. They pull this crap every time. I swear to God, if they are holding out on us... Putain, je le voyais pas, quoi. Allez, coup de tête et tout. Oh, Zizou. Voilà, par contre, ce qui est appréciable, c'est que du coup, il nous lâche des trucs. Ça fait plaisir. Il a fait monter par où? Par là. La bridge looks pretty far. We'll get there. Whoa. It's strange seeing a checkpoint with no soldiers. Well, this is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now.
Give us our rations. Eh ben, si en plus on va se faire attaquer au mortier, ça va être marrant, ça tient. Donc, ce qui a marqué, c'est que vous allez mourir avant que nous mourions de faim. Starve, c'est famine. Enfin, parce que starvation, c'est famine. I hear hunters. Yeah, me too. Just keep it down when we're going through this area, okay? We're up all night chasing this tourist. Oh yeah, you were a part of that? I heard about this. Yeah, there's one chick, she just not give up. I've never seen anyone with so much fucking energy. Appreciate it. A couple minutes to snuff everyone else, and fucking 5 hours to hunt her ass down. Jesus. J'espère qu'il y en a que là, hein. Sauf que je ne puisse pas prendre un revers. We're about to give up, and she started shooting at us. It's stupid. She could have got away. I had two other guys keep her busy. I took out my rifle, lined up her little head in the crosshairs. Pow. What was that? Damn. Maybe you should have kept her. You know, made her one of us. Hey, you see that? Over there! Ah. There he flew off. It's fine, it's fine. Oh my god! Keep it up, pal. See what happens. Tu crois m'avoir ou quoi? C'est moi le roi de la discrétion ici. I'm going over this way. Check down there. Fuck. Merde. Le roi de la discrétion. J'ai pas passé bien loin, hein. Ouais, Ellie, bien sûr qu'il l'a pas vu. Ouais. Holy shit. Bon, ça va, si c'est que ça comme dégâts, pour l'instant je m'en sors plutôt pas mal. Hop là! Oh! Je disais? Pourquoi je vois la lumière à droite alors qu'il est pas là? Putain, mais il est parti se planquer où? Bien joué, Ellie! Il est où l'autre? Ouais. Bon, la batte ça dure plus longtemps, hein, c'est pour ça que je change. Ah.
Ce qui n'empêche que j'ai pas assez fouillé dehors pour l'instant aussi. Ah, elle reste encore accroupie, c'est qu'il va encore y avoir du monde. Ah, mais il y a du monde. Forêt. Putain, mais il vient d'aller fini ou quoi? Oh! Putain, c'est une tire du molotov et tout, c'est un foiré! Ouais! Raté la contre-attaque! Celui qui me tire le molotov, c'est enfoiré là. Putain, on fait gaspiller des soins là, hein. Non. Et si tu l'as chanté, fais la poule, tu verras, tu seras plus cool. Fais la poule. Bah essaye. Ok. Une fois qu'ils seront là, tu chantes. Ça va, je chante. On verra s'ils seront cool ou pas. Oui. Je chanterai rond. Dou 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 dou. Rond dou dou. Rond dou dou. Dou dou dou. Après, je leur dessinerai sur la figure parce qu'ils se sont endormis. Monde en haut. Ah ben mourir. Alors j'adore parce que j'ai fait exprès de prendre l'augmentation de la zone d'influence pour que je puisse entendre et le mec je l'ai même pas capté, c'est bien. Alors je sais même pas là où j'en suis, c'est ça c'est cool par contre. Ouais, j'ai même pas tué le mec qui m'avait tiré le molotov tout à l'heure. Putain, je suis juste devant eux quoi. Discret le mec. Il est passé où le deuxième là? Que lui soit là, je veux bien, mais le deuxième il est passé où?
Allez. Putain, il a planté carrément un couteau dans le dos, quoi. Fais la poule, fais la poule, tu verras, tu seras plus cool. Il a mis du temps à capter quand même. Here it comes. Ouais, sauf que là par contre le fusil à pompe c'est pas comme les les infectés, hein, là c'est du direct. Le problème c'est que voilà, j'ai envie de fouiller le bâtiment et il n'y a pas de venir me casser les rognognos. Donc vous êtes cuits de votre zone de quarantaine, hein. Tu as vu, ils ont même pas le droit d'emmener leurs petits chiens, leurs petits chats, leurs petits écureuils, leurs petits lapins, leurs petits oiseaux, rien. En même temps, ça fait du boulot aussi, ça fait encore des bouches à nourrir et... Ça reste des êtres humains, il reste des êtres vivants. Oui, justement, ça reste des êtres vivants à nourrir, et donc déjà qu'eux, ils manquent de nourriture pour eux, alors que ça, en plus, il faut qu'ils... Oui. Ben quoi, l'autre dans Kinder Bueno, elle partage avec un inconnu, tu veux même partager avec ton chien? Ouais. Ça, je m'en fous de la bouteille. Alors je me doute qu'il va falloir que je monte, hein, pour pouvoir quitter l'endroit, mais je fouille vraiment pour récupérer un maximum d'objets, hein, parce qu'apparemment il y a quand même de quoi faire. Pas à prendre. D'accord, ils peuvent nous repérer de là-haut directement. Donc on va éviter de passer par le milieu. Ouais, ça c'est m'étonné qu'il n'y ait pas un qui soit juste devant les escaliers là, hein. Check over here. Go check down there.
Putain. Putain, la tranquillité, je sais pas mes boutons, hein. Alors là, c'est pas bout portant, je sais pas ce que c'est. Normal, là, il a plus de torse, le mec. Hein. Pas dû les prendre de suite. Il est passé où, ce con? Pas parti si loin que ça, il était juste à côté. Donc je savais bien que le soin il fallait pas que je le prenne de suite. Pour le peu de soin que je me suis soigné, j'aurais bien aimé me soigner maintenant en fait. Donc j'espère que c'est le dernier. Hein. Là ça commence à faire beaucoup de dégâts. Alors il est passé où ce con? That was too damn close. To the edge of the universe and back. Endure and survive. Excuse me? Savage Starlight. That comic I've been reading? The hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay. Elle est comme toi, c'est une grande lectrice. When I'm not running away from hunters and infected. Yeah, I read all the time. Ça, c'est genre de choses qui font du bien. Des escaliers pour redescendre, ça ne m'intéresse pas. Ah non, c'est un point de vue, d'accord. Je crois qu'il y avait quelqu'un en fait. Non, tu vois, c'est pour ça que je passais par les toits. De toute façon, là où je suis, je pense pas qu'il me repère comme ça, donc apparemment, c'est bon, il y a personne. Ah, mais c'est pas tout seul par contre, si c'est trop. Man, you gotta be crazy to string up soldiers. Yeah, you get people desperate enough, they'll do just about anything. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'd be my bet. Ouais, donc c'est vraiment les mecs mis en quarantaine qui sont rebellés contre les soldats et... Enfin, comme on a bien lu dans le document, quoi. Ils sont pas fait que les lyncher. Let's see where this leads us. Ouais, on va voir où ça mène, et après, sauvegarde. Watch yourself on these drops. Ah bah on va pas dire non, hein.
Voilà, comme ça moi je suis sûr qu'il y aura la sauvegarde et qu'on reprendra à partir d'ici. Donc encore va y avoir le coup du radeau. I don't think they saw us. There's our bridge. We're a little closer, I think. Let's keep at it. Come on. Et voilà, bon, en tout cas un chapitre palpitant, hein, donc ça va, hein, plutôt sympathique. Bon, dommage qu'il y ait eu des morts pour rien. Et on se dit à tout de suite dans les studios. Donc voilà, ben, fin de la 10e partie, comme je disais, partie plutôt intéressante finalement. Bon, dommage qu'il y ait quelques morts, donc il faut que je reprenne à certains petits endroits. Mais de la bonne infiltration, de la bonne baston aussi. Et je pense qu'apparemment c'est pas terminé, loin de là. J'espère pouvoir tuer les deux gars qui bougeaient la planche, que nous allons certainement devoir bouger aussi. Puisque j'ai vu qu'il y avait la petite palette qui traînait sur l'eau, donc on va encore devoir nager, transporter Ellie sur la palette. Donc j'espère que pour l'instant là, eux ils nous tireront pas dessus comme des canards. Donc j'espère que ça vous aura bien plu et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et amusez-vous bien.